On peut dire, oui, à Paris, tout va bien, les femmes sont bien payées, elles ont une belle vie, mais c'est vrai d'une si petite minorité de femmes qu'on en oublie toutes les autres. Et moi, j'aime bien toutes les autres. Et vous faites ce qu'on appelle votre pré-admission. À partir du moment où vous suivez des femmes, de temps en temps, vous croisez des femmes excisées, et puis rapidement, vous vous apercevez que c'est pas juste cette femme-là, c'est beaucoup de femmes. C'est une barbarie supplémentaire qu'on fait subir aux femmes. Et elle a un côté extrêmement violent, parce qu'elle se fait sur des petites filles en général et sans anesthésie, et que parfois des petites filles meurent d'hémorragie. Et puis après, est-ce que ces femmes souhaitent autre chose? Et en fait, l'expérience montre que oui. Elles sont extrêmement furieuses qu'on leur ait fait ça sans leur demander leur avis. Donc là, on se demande, est-ce qu'on peut les aider, les réparer, leur faire qu'elles aient une sexualité plus épanouie ou moins mal? Mon plus grand rêve serait de redonner du pouvoir, de l'autonomie aux femmes et à celles qui n'ont ni pouvoir, ni autonomie, ni choix de leur destin, et qui sont des moins que rien de l'humanité, en fait.